On va appeler maintenant, si tu veux bien, Jean-Pierre, il y a le CD numéro 7, je crois, hein, le titre que tu vas On commence par voir, ça. avec Sébastien, que j'appelle au parloir ici, avec sa complice Sonia qui va se cacher quelque part dans les coulisses. Alors, je vais tout vous expliquer pour Sébastien et Sonia. Sébastien, c'est un ancien des scènes ouvertes, on peut dire. Il a commencé il y a, je pense, 5 ans à peu près qu'on se pratique avec Sébastien. Sébastien a un parcours un petit peu particulier. Je pense, il est où Sébastien? Je ne vois pas. Sébastien? Yes, je peux parler de toi? Bon. Alors, Sébastien est un garçon qui a la trentaine, qui adore danser, qui adore chanter, qui rêve d'être un artiste comme beaucoup de jeunes. Mais la vie d'artiste, Sébastien, je te parle. Ouais, c'est vraiment pour toi là que je dis ça. C'est pas facile, tu sais, d'être artiste. C'est beaucoup, beaucoup de boulot, beaucoup de contraintes. Tu vas voir, après nous, après toi, il va y avoir Maxime Mu, ils pourront t'en parler. Comme c'est difficile de faire des sketchs, que c'est souvent des heures de galère et que c'est pas très évident. Je lui dis ça parce que il rêve d'être artiste. C'est vraiment presque devenu obsessionnel chez toi. Hein. Tu y vas, hein, il a même été frappé à Paris. Enfin, vraiment, il en veut. Mais il y a parfois des petites difficultés dans la vie. Je peux dire que tu travailles. Je peux. Il travaille au CAT, ça ne s'appelle plus comme ça, mais c'est l'aide par le travail, près d'ici, à Buzancais. Donc ça, c'est sa vie quotidienne. Et donc, on s'offre, je dis on, je me mets dans l'eau, on s'offre comme ça des petites bouffées d'air, d'oxygène artistique. Et ce soir, nous allons essayer, avec la complicité de Sonia, de vous présenter un sketch tout minuscule, mais qui est inspiré de ce que tu avais fait sur YouTube. Et ça va durer, je dis ça pour Jean-Pierre, 1 minute 30, et puis tu chatteras, s'il te plaît, en fin de musique. Et puis ensuite, Sébastien vous interprétera une chanson de son répertoire. On va dire ça comme ça, c'est bon? J'ai rien dit de. Je ne suis pas trompée, ça va? Bon. Donc vous l'applaudissez parce que eux, ils sont morts de trop. Musique! Sébastien, il est branché ton micro? Ah, voilà, bon. Bien. Attends. Tu peux envoyer la musique? Shake it, put it on, do your things.
dit ça. Pourquoi tu vois pas qu'il pleut dehors? Ah, vous les femmes. Eh ben, c'est pas trop tôt. Vous les femmes. Vous les charmes. Ouais. Et maintenant, la chanson. Tu regardes toujours le public. Ma vie. Le public est devant toi. Ah ouais, je pensais qu'ils étaient... Ok, tu peux envoyer la sauce. Tiens. Come on.
Yes. Alors, comment vous sentez-vous, jeune homme, devant ce public chaleureux? Pas très nombreux, mais ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Merci à vous pour votre présence et vos applaudissements pour ce jeune homme. On va passer à de la guitare. On va se réveiller avec Paco et Nino. Ils sont là, je ne vous vois pas, moi. Hein. Donc, Paco et Nino, guitare, guitare.